l'idée, c'est d'avoir vraiment toute la descente tarifaire pour dire, bah, pour répondre à cet appel d'offres, je vais demander une aide au marché, je vais demander une promotion, je vais demander un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui fait que ma marge, je la constitue de bon prix avec toute sa descente, ma marge pour avoir le bon prix de, pour avoir le bon prix de vente. Et en fait, la statistique en bas de tableau va nous donner ligne par ligne toute la descente tarifaire qui nous permet de mettre en haut à droite le bon prix de vente. Donc ça permet assez rapidement de sélectionner les produits, d'y mettre les bons prix, d'y rattacher les fiches techniques et de pouvoir envoyer aux clients la réponse à l'appel d'offres auquel nous sommes en train de répondre. Donc ça, ça a été très important. Aujourd'hui, on fait entre 150 et 200 soumissions par an avec ce système-là. Bon, on arrive aujourd'hui à faire à répondre à des appels d'offres avec plus de 1000 produits avec l'outil en y joignant les fiches techniques. La deuxième application qu'on en a, c'est vraiment l'offre de prix qui est ciblée un prix pour un produit pour un client. Là, effectivement, on a pour les commerciaux sur Mobilogic le même type de rapport et on va pouvoir négocier avec là notamment les restaurateurs en disant ben voilà, je peux vous proposer au tarif catalogue c'est à tel prix, si vous voulez que ce soit 12 euros que ce soit 10, on est en mesure de présenter la marge, en mesure de présenter les dernières quantités vendues par ce client sur les 3, 6, 9 ou 12 derniers mois. Donc le commercial est en mesure de faire une offre à son client en préservant sa marge et en regardant les volumes déjà vendus, donc d'avoir une perspective de chiffre d'affaires et de marge pour les mois à venir. Une fois qu'il fait sa proposition sur Mobilogic, qu'il transmet, on va arriver dans la partie offre de prix et là ça va être son manager qui va donc lui avoir aussi les mêmes informations, avoir des informations un peu plus pertinentes sur les chiffres, et c'est le manager qui va valider. Une fois que le manager a validé, ça rentre directement dans la saisie des prix spéciaux. On n'a plus besoin d'avoir une opératrice qui va saisir les prix du client entre telle date et telle date. Tout ça est fait dans la foulée, dans la continuité, sans perte de temps et avec une validité des informations. Et le troisième volet, toujours avec ce type de choses, c'est les promotions, où pareil, on arrive à faire des promotions, on va sélectionner nos produits sur la partie du haut, sur la partie basse, on connaît notre marge, on connaît les volumes, et à partir de ce moment-là, on peut décider des promotions, des produits qu'on met en promotion, avec toutes les informations, et lorsque c'est validé, encore une fois, il n'y a pas de ressaisie derrière, ça rentre directement dans le fichier des promos et des offres de prix. Et la promotion, si les dates sont bonnes, peut être validée directement pour le lendemain. Donc on arrive avec cette offre de prix à avoir vraiment une fluidité de l'information, à avoir une véracité de l'information, parce que quand on fait des marchés, il ne faut pas se tromper sur les prix, parce que c'est des quantités importantes. Voilà. Donc on arrive vraiment à travailler avec tout ça, pour être en ligne avec les objectifs que l'on se fixe.